Boyarka, ma belle Boyarka ukrainienne, pleine de lumière et de pureté. Ta jeunesse est la beauté du printemps, brillante et honorable pendant les jours de fête, assoiffée pour le travail pendant les autres jours. Tes chansons s'écrivent dans le cœur, non seulement avec la main du peintre ou par les mots. En toi, la réflexion de l'histoire et de la langue. Les mélodies des cathédrales le remplissent de puissance et de bonté. Alina Tretiak. Boyarka, tu es l'air de Kiev, le cœur spirituel de la région de Kiev, le paradis des écrivains classiques, des artistes, des poètes, des historiens et des touristes. La beauté de la ville, des lacs et des forêts pleines d'arbres anciens, les cathédrales et les bâtiments modernes inspirent la créativité. Les habitants de Boyarka changent et améliorent constamment leur ville avec les mains des artistes et des sculpteurs de « Et c'est leur vie ». Nous allons retourner le potentiel récréatif à Boyarka. Boyarka, c'est une ville artistique. Bienvenue chez nous, Asia Style. Venez et essayez notre cuisine asiatique. Ramazov Alexandre Kostiantinovich, artiste avant-gardiste. Famille Grigory Viktor Mikhailovich, artiste et illustrateur ukrainien. Ivanov Ivan Ivanovich, écrivain, peintre, historien, archéologue. Grigory Borisovich Kistiakivsky, savant, un des créateurs de l'arme nucléaire. Directeur de l'un des départements des laboratoires nucléaires aux États-Unis, conseiller du président Eisenhower. Kovalenko Ivan Yuhimovich, poète. Levitsky Modeste Filipovich, médecin, écrivain, pédagogue, compositeur, diplomate, agent social et politique. Lysenko Mykola Vitalievich, fameux compositeur, créateur de la musique classique. Vera Alexandrivna Matushevska, médecin chirurgien. Mohor Yuri Pavlovich, peintre ukrainien, lauréat du prix nommé Cassian. Natson Semen Yakovich, poète fameux, lauréat du prix de Pushkin de l'Académie scientifique. Samylenko Volodymyr Ivanovich, écrivain, diplomate, dramaturge, interprète. Shalom Aleichem, écrivain de la classique européenne.
Sur le film ont travaillé Yuri Gorbatchev peintre, Podrouchno Alexandre directeur, Alexandre Zhirnov vidéo fantôme, Musée historique de Boyarka, Timofey Nagaïchuk, compositeur, Walter Biaingabo, traduction et audition, Aline Tretiak, poétesse.